31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précise. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017. Dès 21h à la cité de célébration. Shalom. Verset 21 à 28. 1, 2, 3. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent: avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secoue-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui nous regardent. Papa Daniel du côté de Londres, Faustine Bala, Maman Liliane Epoté. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo avec les autres. Amen, amen. Je parle de quatre choses pour une prière victorieuse. Quatre choses à connaître pour une prière victorieuse. Quatre choses à connaître pour avoir la victoire dans la prière. Tu peux maîtriser ces quatre étapes. Je peux te garantir que tu auras toujours la victoire dans ta prière. Dis que tu auras la victoire dans ta prière. Tu auras la victoire dans tes prières. Numéro 1, le besoin réel. Tu ne pries pas, tu ne demandes pas quelque chose à Dieu pour satisfaire tes convoitises charnelles. Tu ne demandes pas quelque chose à Dieu parce que X ou Y possède la chose. Quand je dis numéro 1, tu me donnes d'abord numéro 1, je parle de numéro 4. Amen, amen. La première chose, c'est le besoin. Et pas n'importe quel besoin. Ce besoin doit être un besoin réel. Ça doit être une nécessité absolue. Quelque chose que le ciel témoigne que tu as besoin. Tu ne demandes pas une robe à Dieu parce que tu as vu une autre personne avec une robe. Tu ne demandes pas une voiture à Dieu parce que tous les pasteurs ont les voitures. Aïdé, est-ce que la chose que tu demandes là à Dieu, est-ce que le ciel veut ça pour toi? Écoute-moi bien, je dis tout à l'heure à la télé, à 14h, toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Can I say it again? Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ça peut être une bonne chose pour X, sans pour autant être une bonne chose pour toi. Somebody can talk about. David a voulu construire le temple, c'était une bonne chose. Mais Dieu a dit à David: il n'est pas de ma volonté que tu me construises une maison. Mais cependant, il était la volonté de Dieu pour le fils de David de lui construire un temple. Am I talking to somebody? Écoute-moi bien. Le besoin, il y a quatre étapes à connaître. Le besoin engendre la révélation.
Et la révélation engendre la foi. Est-ce que je peux avoir ça? Le besoin engendre la révélation. Et la révélation engendre la foi. Et la foi engendre la prière efficace. En d'autres mots, tant qu'il n'y a pas un besoin réel, il n'y a pas de révélation. Et tant qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas la foi. Et tant qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la prière persévérante. Parce que la prière persévérante surmonte tous les obstacles, surmonte toutes les intempéries spirituelles et naturelles, et te rassure la victoire même au milieu des pires épreuves. Écoute-moi bien, la capacité de prier sans se relâcher, c'est quand tu as foi que tu vas t'exaucer. Non, il y a une autre chose là-bas. La capacité de prier sans se fatiguer, sans se relâcher, la capacité de prier jour et nuit, c'est quand il y a foi. C'est quand tu as l'assurance que Dieu va te donner ça. Écoute-moi bien. Généralement, quand c'est la fin du mois, tu passes devant les banques, tu vois les salariés qui sont alignés. Des gens peuvent être sur le rang du matin jusqu'à midi. Comme c'est la période festive, des gens pourront être même là du matin jusqu'au soir. Pourquoi la personne persévère? Parce que la personne a foi que son agent est venu. Il y a un autre qui est en là-bas. Oh, si tu es nous sommes dans les tontines. Tu es, il y a 50 personnes dans cette tontine. Ton nom, c'est le 48e nom. Mais tu tontines tous les mois ou bien toutes les semaines fidèlement. Pourquoi tu tontines? Parce que tu sais que quand on va arriver au 48e nom, tu vas bouffer. Tu as la foi que tu vas bouffer. En d'autres mots, la capacité de donner ton argent de façon fidèle chaque semaine est basée sur cette foi intellectuelle, même pas spirituelle, que un jour ou l'autre, quand on va atteindre le 48e nom, je vais bouffer. Regarde comment la foi intellectuelle travaille et combien de fois pour la foi spirituelle. Quand tu as la ferme assurance que Dieu t'a dit, comme tu as 50 ans, tu ne mourras pas stérile. Tu vas continuer à prier jusqu'au jour où tu verras ton bébé. Non, I'm not talking to the right people. Am I talking to somebody? Quand tu as la ferme assurance que Dieu t'a dit que tu ne mourras pas sans quitter cette nation, alors jour et nuit, tu pries pour ton visa. Parce que tu sais que tu as la foi qu'un jour ou l'autre, c'est que Dieu a dit va s'accomplir. Ça, c'est quand même ce que l'on dit. Qu'est-ce que tu en as dit? Le besoin réel. Tant qu'il n'y a pas besoin réel, il n'y a pas révélation. La révélation, c'est quoi? C'est voir les choses telles que Dieu voit. Un jour, Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu a dit à Jérémie, aussi longtemps que tu vois cette branche, il en sera de ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tant que tu es convaincu, Jérémie, que tu vois cette branche, sois convaincu que ma parole à la plénitude va s'accomplir. Attends, suis-moi. Qui entend me voir maintenant? Qui entend du moins ma voix? Maintenant, aussi longtemps que tu es convaincu que tu entends ma voix, Dieu dit, ce que j'ai promis là va s'accomplir. Aussi réel que tu me vois, aussi réel que tu entends la voix du pasteur Charlie, si tu es prêt à mettre ta main dans le feu, que tu entends la voix du pasteur Charlie, il est aussi vrai que ce que je dis te concernant va s'accomplir. Écoute-moi bien, je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu as eu un besoin fondamental, un besoin réel? Tu es convaincu que la chose-ci, j'ai besoin. Pas par rivalité, pas par rapport à une autre personne. Pas parce que tu as aimé rivaliser avec X ou Y. Mais cette chose est une nécessité absolue dans ma vie. Et tu as le témoignage du ciel que cette chose, Dieu le veut pour toi. Dieu la veut pour toi. Si tu es convaincu, voilà des choses maintenant qui te pousse devant Dieu. Et Dieu te dit, mon fils, j'ai besoin que cette chose s'accomplisse dans ta vie. À partir de ce moment, c'est ce qu'on appelle révélation. À
partir de ce moment-là, la foi naît. Écoute-moi bien, il n'y a pas foi sans révélation. Et ça, vous le cachez pas dans ton monde. Tant qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas foi. Oh, je vais te dire pourquoi tu pries souvent. Oh, si Dieu veut, il me donne. S'il ne me donne pas, il n'y a pas de problème. C'est arrivé souvent, n'est-ce pas? Oh, si le Seigneur ne veut qu'il donne, s'il ne veut pas qu'il ne donne, pas, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas foi. Et la raison pourquoi il n'y a pas foi, c'est parce qu'il n'y a pas eu révélation. Et la raison pourquoi il n'y a pas eu révélation, c'est parce qu'il n'y a pas eu un besoin réel. Écoute-moi bien. Quand le besoin est réel, on est prêt à mourir pour ce besoin. Hey, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Oh, j'aime souvent les mamans. Quelqu'un a dit, tout est possible pour une mère qui prie. Quand une maman tape son ventre et dit, mon fils, tu n'as pas fait 9 mois dans ce ventre, échoue alors je vois. Aussi longtemps qu'il a fait 9 mois dans ce ventre, il est lié à réussir. I don't know if I'm talking to the right people tonight. Suis-moi bien. 4 étapes pour la prière victorieuse. Est-ce qu'il peut avoir les 4 étapes maintenant? Plein écran. Amen, amen. Il y a le besoin. Pas n'importe quel besoin. Un besoin réel. Je ne parle pas de la quantité. Je ne parle pas de la qualité. Je parle tout simplement d'un besoin réel. Ça peut être seulement 1000 fois, mais c'est un besoin. Amen. Ferme le camp avec ça. Couvre le camp. Pourquoi on voit ça bien? Agrandis. Si. Tu dis quand même, n'est-ce pas? Tu as le besoin réel numéro 1. Tu as numéro 2, la révélation. Tu as numéro 3, la foi. Et tu as fini 4, la prière efficace. Sans la foi, la prière efficace résulte de la foi. Et la foi résulte de la révélation. Et la révélation résulte du besoin réel. Amen, amen. Ça va? Amen. Est-ce que tu es là-bas? Là-bas. Donc aussi longtemps, tu peux enlever ça maintenant. Aussi longtemps, frère, que tu es convaincu que voici le plan de Dieu pour toi, quelque chose ne doit pas te donner la paix. Quelque chose va te pousser. Quelque chose va te tourmenter jusqu'à ce que tu ailles devant Dieu. Et quand tu es déjà devant Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, que dois-je faire? La révélation vient. Dieu dit, c'est mon plan pour toi. C'est moi qui t'ai appelé dans cet endroit pour que cette chose s'accomplisse dans ta vie. À partir de ce moment, la prière change de vitesse. Parce que la révélation est venue. God. Écoute, quand il dit, la révélation apporte la révolution. Et la révolution apporte la gloire de Dieu. Il est en train de dire la même chose que nous sommes en train de dire. Amen. Il est en train de dire que la révélation engendre la foi. Et la foi engendre les ossements à la prière. Écoute-moi bien. Pendant des années, j'ai prié pour mon mariage. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une femme. Wow. Et le temps est passé. Et à un moment donné, j'ai prié. Ah, Seigneur, si tu veux, tu donnes. Ah, ce n'était pas vraiment ça. Parce que je voulais, à un moment donné, je voulais sortir hors de la nation. Alors, une nuit, j'ai eu une nuit très perturbée, très tumultueuse. Et je me suis réveillé avec la ferme assurance qu'une personne avait une parole de Dieu pour moi. Et je suis allé vers la personne. Je lui ai dit, donne-moi la parole de Dieu que Dieu t'a donnée me concerne. Et la personne m'a dit, effectivement, cette nuit, j'ai eu une révélation te concernant. J'ai dit, dis-moi, c'est pour ça que je suis là. La personne m'a dit, cette nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, il y avait une personne à ta gauche, une personne à ta droite. Et les personnes ressemblaient des anges. Et ces personnes te blâmaient, disant, si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas marié, c'est parce que tu veux. Hey.
c'est parce que tu veux. Et si tu ne te maries pas, non, parce que tu n'as pas véritablement prié pour ton mariage. Passe le mot. Parce que tu n'as pas véritablement prié pour ton mariage. Si tu ne te maries pas, Kenan, il sera très difficile de te marier plus tard. Et quand tu as dit, parce que tu n'as pas véritablement prié pour ton mariage, j'ai compris que numéro un, au départ, ce n'était pas un besoin, rien. Numéro deux, je priais. Si Dieu donne, tant que Dieu ne donne pas, je voyage. Quand j'ai compris que le mariage pour moi, en ce moment, c'est un besoin réel. Numéro 2, il y avait la révélation qui me disait que c'est maintenant ou à jamais. Frère, je suis retiré quelque part. J'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. Seigneur, je veux ma femme maintenant. Frère, j'ai prié 3 jours. Le jour où j'ai cassé mon jeûne aux environs de 18 heures, je suis allé aux 4 étoiles. Il y avait une conférence dans le corps de Christ. Je me suis assis derrière. Étant assis derrière, j'ai vu une femme, une fille qui montait. La beauté était d'une beauté. My God, I feel something here. Une gloire, une gloire, une gloire. Et j'ai eu la conviction que là, voilà. Suis-moi. J'ai eu la conviction que là, voilà. Ça n'a pas pris 2 jours. J'ai commencé à m'approcher. Comment tu vas? Comment est-ce qu'on t'appelle? Quel est ton numéro de téléphone? Je vais te rendre visite. Et ça a commencé. Et ça a commencé. Ça a commencé. Elle me dit qu'il faut être fiancé pendant 6 mois, pendant 1 an au moins, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Je me suis approché. On a fait environ 1 mois de camaraderie ou 1 mois et demi de camaraderie. Et la révélation est sortie de ton côté. On s'est fiancé. En moins d'un mois et demi, on s'est marié. Et l'année prochaine, on sera à la 12e année. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un besoin réel. Le besoin réel a engendré la révélation. La révélation a engendré la foi. Au point où je pouvais prier 3 jours. Dans le jeûne et dans la prière. Et le jour même où je casse mon jeûne, je la vois. De glorie. Aïda, 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 aïda. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Il y a 4 étapes. Frère, ne prie pas pour la voiture parce qu'il est à la voiture. Ne construis pas une maison parce que tout le monde ne construit la maison. Am I talking to somebody? Ne deviens pas chanter parce qu'il y a les chantres. Am I communicating? Il doit avoir un besoin réel. Un besoin réel. Un besoin réel. Besoin ultime. Une nécessité absolue. C'est cette nécessité-là qui te fait perdre le sommeil. Dis, Seigneur, là où nous sommes, tu dois me répondre. Je suis fatigué. Je suis épuisé. J'ai des insomnies. Quand je marche, Seigneur, je parle seul dans la rue. Je n'ai pas de paix. Papa, exauce-moi. Pendant que tu cries nuit et jour, le Seigneur vient et dit, disciple, continue à prier. Qu'est-ce qui vient? La révélation maintenant fait comment? Ça augmente la vitesse de la prière. Si ta prière-là était la scie à métaux, ça devient quoi? La tronçonneuse spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quand tu vas devant Dieu, ne commence pas seulement à dire, va, commence à prier. Non. Adore-le. Loue l'Éternel. Passe un temps de louange d'adoration. Pendant que tu le loues, pendant que tu l'adores, tu vas entendre les sujets qui tombent dans ton cœur comme des gouttes. C'est ça le besoin réel. Écoute-moi bien. La prière efficace est celle qui est donnée par Dieu. Pourquoi Élie a pu prier en disant chaque fois à son serviteur, va regarder si la pluie vient. Il prie, que va encore regarder, qu'il n'y a rien. Il prie, il va encore regarder, qu'il n'y a rien. Il prie jusqu'à 7 fois. Pourquoi il était si convaincu au point d'envoyer son serviteur regarder? Parce qu'il avait eu la révélation que Dieu va ouvrir le ciel. Pourquoi la femme grecque a tellement crié derrière Jésus? Parce qu'elle était convaincue.
que celui-là, c'est le fils de David. Écoute-moi bien. Il y a là, écoute-moi bien. Il y a foi et foi. Écoute-moi bien. J'ai dit quoi? Il y a foi et foi. Il y a la foi qu'on peut offenser. Et il y a la foi dont personne ne peut offenser. Il y a la foi que quelqu'un peut insulter. Il y a la foi que personne ne peut insulter. Il y a la foi que l'on peut décourager. Mais il existe une autre foi dont personne ne peut décourager. Écoute-moi bien. On a crié sur cette femme. Rentre. Elle a dit ici là. Jusqu'à la gare. Écoute-moi bien. Pourquoi certaines personnes viennent à l'église? Moins de offense, la personne dit, hey, mais on, il parle à qui comme ça? Et la personne est hors de l'église. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas née de la révélation. Non, il y a une autre question à me dire d'abord. Mais c'est pas même pour qui ce pasteur là. C'est parce qu'on se rabaisse, on vient à l'église, mais c'est pas même pour qui. Ah, je m'en vais. Et je disais l'autre jour, deux, trois copains t'ont laissé tomber, mais tu es encore derrière. Il t'a même humilié en plein carrefour, je n'ai pas besoin de toi. Et je dis à tes camarades, j'ai signé l'Indien. C'est le caterpillar qui va m'enlever ici. À moi, toi qui ne touche. Ici, là, c'est le caterpillar. Sors de chez moi. Tu as gâté ma vie. Je n'ai pas peur. Ici, là, je vais mourir. On va voir ça. On va voir ça. Tu signes. Mais à l'église, hey, la petite femme me parle. Hey, je demande au pasteur. Je m'en vais. Je pars. Pourquoi? Tu as la révélation. Tu as une foi intellectuelle dans ce mariage. Mais avec Dieu, tu n'as ni la foi intellectuelle, ni la foi spirituelle. C'est pourquoi moins de offense, tu fais bagage et tu pars. Mais il ne sait pas pour qui celui-là. Ce ne sont pas les protocoles qui ont insulté la foi de la femme canadienne. Ce ne sont pas les kéristes qui ont insulté sa foi. Ce ne sont pas les disciples ordinaires qui ont insulté sa foi. Mais il s'agissait des apôtres, des personnes plus proches de Jésus que jamais. Il y a des personnes qui ont insulté la foi de la femme là. Mais elle a dit, zéro faute. J'y suis et j'y reste. Où tu pars, je reste. Où je reste, tu pars. Non, si tu n'as pas compris. Tu as compris ce qu'elle dit? Où tu pars, je reste. Où je reste, tu pars. Donc dans tous les deux cas, c'est moi qui reste. Voilà la foi qui est née de la révélation. Écoute-moi bien. Qui sont ceux-là qui sont prêts à mourir pour Jésus? Ce n'est pas tout le monde. Seuls ceux-là dont la foi est née de la révélation sont capables de subir tout genre de persécution à cause de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Ma vie est pareille à l'aigle. Qui est veillé sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précises. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Aimez bien, il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie.